vous, Benoît Cazas. On vous remercie de participer à cette journée. Pour vous présenter brièvement, pour ceux qui n'auraient pas assisté à sa performance d'hier soir à la médiathèque du musée des abattoirs, Benoît Cazas, c'est un artiste pluriel aux diverses facettes, dans une configuration qu'il dit octogonale. Il a d'abord commencé par la peinture pendant de nombreuses années, il a effectué de nombreux voyages aussi. Un coup de cœur pour l'Italie qui a nourri ses travaux. Il s'est aussi lancé dans l'édition avec la création de la maison Nous ou Nous, qu'importe le nom, puisque c'est une maison qui a comme politique de faire connaître les auteurs qui ont du talent, qu'ils soient étrangers ou non. Il y a aussi sa passion pour la lecture, qui influe aussi son écriture, comme il l'a montré hier. C'est un auteur qui écrit avec ses yeux, qui se concentre sur sa phrase, sur sa musicalité, mais qui se défend d'être un grand théoricien, néanmoins. Et c'est aussi un traducteur, c'est pour ça que nous l'invitons aujourd'hui. Il a notamment traduit de la poésie italienne, on pense à Pasolini, et aussi de l'anglais, avec le poète Hopkins. Je vous laisse la parole. Merci de votre invitation, votre présentation. Je vais vous parler un petit peu de la traduction de poésie, spécifiquement la traduction de poésie. Dans mon cas, la pratique de traduction est exclusivement liée à la poésie. Je ne traduis pas du tout ni de romans, ni d'autres formes littéraires. Comme éditeur, j'édite aussi pas mal de philosophie, des revues, mais je ne traduis que de la poésie. Et traduire de la poésie, c'est quelque chose d'assez spécifique, qui n'a pas grand-chose à voir avec les pratiques de traduction qu'on pourrait dire à visée communicationnelle ou informative. Bon, je précise également que la traduction de poésie est une pratique très peu rémunératrice. Ma casquette de traducteur n'est pas du tout celle qui me permet de vivre. Le lectorat est assez restreint. Et déjà, comme éditeur, c'est un défi que d'éditer de la poésie. Ce n'est pas non plus du tout ça qui permet de faire vivre une maison d'édition. Alors, je traduis de la poésie tout simplement parce que j'aime la poésie. J'en lis énormément. J'en écris moi-même. Et j'en édite. Je traduis donc exclusivement de la poésie et exclusivement à partir de deux langues, l'italien et l'anglais. Bon, ce sont tout simplement les deux langues que je lis en version originale, les deux langues auxquelles je peux avoir un rapport suffisamment fin pour faire basculer quelque chose en langue française. Donc de l'italien, je traduis Milo De Angelis, Eduardo Sanguinetti, Pier Paolo Pasolini, Nanni Balestrini, des auteurs, des poètes du XXe et du XXIe siècle. De l'anglais, je n'ai traduit que Jerome Henley Hopkins. Ça a été le premier auteur que j'ai traduit. J'ai traduit assez longuement. Ma traduction n'est toujours pas éditée. Là, je vais la reprendre. Enfin, je ne dis toujours pas éditée parce que j'ai commencé ça il y a 15 ans. J'ai laissé ça de côté, j'ai fait autre chose. Ça me tient vraiment à cœur, donc je vais m'y remettre. Ça sortira l'an prochain. Hopkins, c'est un grand poète moderne, un contemporain de Mallarmé. J'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Et de l'anglo-américain, je travaille à une traduction de Wallace Stevens, qui est un classique de la poésie américaine du XXe siècle. Je précise que pour l'italien, il s'agit de traductions à deux. Alors, toutes ces traductions ont la particularité d'être destinées à la collection de poésie étrangère des éditions une collection qui s'intitule Now. Elles sont parfois aussi réalisées quand c'est des textes plus courts, quand c'est pas forcément des ensembles de livres, pour des revues. La revue Grumeau, la revue Exemple, par exemple. Donc, je fais ce constat que la visée de traduction est indistinguable d'une visée éditoriale. On peut dire que les traductions participent de la configuration d'un catalogue. Ma pratique de traducteur est intrinsèquement liée à ma pratique d'éditeur. Elle est liée au désir de faire partager des textes majeurs de la poésie italienne et anglo-américaine. Donc, je fais ce constat que plus de la moitié des livres que nous éditons sont des livres de poésie, et à peu près un tiers des livres de poésie sont des livres de poésie étrangère. Alors, traduire à deux, ça concerne la poésie italienne. J'ai traduit Milo De Angelis, Eduardo Sanguinetti, Pasolini, avec Patrizia Azzei, qui est italienne et qui est éditrice aux éditions.
Traduire signifie donc, dans mon cas, traduire, souvent à deux, dans deux langues, de la poésie pour les éditions. Deuxième question, plus générale, qu'est-ce que la traduction de poésie? Je vais déjà peut-être d'abord dire un petit peu ce qu'elle n'est pas. La traduction de poésie n'est pas une restitution. La traduction de poésie n'est pas une explicitation. La traduction n'est pas une archéologie. La traduction, ça c'est pas spécifique à la poésie, est une opération de bascule d'une langue première vers une autre langue. Et le résultat de la traduction est dans cette autre langue. La traduction de poésie est donc une pratique d'écriture. Pratique d'écriture à part entière. On peut dire aussi que la traduction est également une entreprise de métamorphose. La traduction produit de l'autre. La traduction produit de l'autre nécessairement, puisqu'elle est passage d'une langue à une autre. Mais la traduction ne se réduit pas à la question de l'autre. On pourrait dire, pour utiliser un mot barbare, que la traduction est une dialectique du même et de l'autre. Alors la question du même, c'est finalement la question de la fidélité. On pourrait se poser une autre question si on se demandait quelle est la visée d'une traduction. Je pense qu'il faudrait répondre la fidélité. Et je crois que sur ce point, il y aurait quasi consensus des traducteurs. Alors la deuxième question, il faudrait préciser pour creuser le différent, ce serait de dire fidélité à quoi ? Bon, c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique parce que la conception ordinaire majoritaire relève finalement d'une fidélité à la sémantique. Ou alors, ça a été évoqué, à une certaine idée du vouloir dire. Dans le cas de la poésie, d'un vouloir dire supposé du poète. Mais dans le cas de la poésie, la sémantique n'est vraiment qu'un aspect parmi d'autres du poème. Et l'idée du vouloir dire en poésie est finalement assez inconsistante. Je vais préciser un peu les choses pour défendre ce point. Je crois que sur cette question, il faudrait partir des axiomes posés par Jacques Roubaud. Jacques Roubaud est un très grand poète, prosateur et théoricien de la poésie. Il a écrit pas mal de textes sur la question. Il a fait un certain nombre de propositions d'énoncés définitionnels liés à la poésie. Et il dit par exemple, la poésie n'est pas paraphrasable. Il le formule ça autrement en disant, la poésie dit ce qu'elle dit en le disant. Voilà. Alors dire que la poésie n'est pas paraphrasable, c'est dire qu'on peut bien sûr tenter de commenter, voire d'expliquer un poème, mais qu'en faisant cela, on perd le poème dans sa matérialité, dans sa spécificité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans le cas d'un poème, distinguer le fond de la forme. On pourrait même dire que le poème est le lieu même de l'indistinction entre le fond et la forme. Donc il faudrait partir sans doute de ce qui peut sembler un paradoxe, dire à la fois que la poésie n'est pas paraphrasable, mais en même temps que la poésie est traduisible. Un autre aspect, c'est que la poésie est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à traduire. Et en même temps, la difficulté même de la traduction de poésie est sans doute ce qui la rend si passionnante. Moi, personnellement, je sais que je serais tout à fait incapable de traduire une page d'un quotidien italien ou anglais. Ça ne me requiert pas suffisamment, je ne trouve pas ça suffisamment passionnant pour y consacrer du temps. Alors je peux rester des jours entiers à travailler sur un unique poème, à le reprendre, à le tourner dans tous les sens, à chercher des équivalences. Voilà, la difficulté est une motivation assez forte. Alors, il faut peut-être préciser qu'est-ce que c'est que la difficulté de la poésie. Peut-être principalement le fait qu'on pourrait dire que la poésie est prise en compte de l'ensemble des paramètres de la langue. C'est-à-dire que la poésie est la pratique de langage qui accorde la plus grande importance à la mémoire. C'est la pratique de langage qui accorde la plus grande importance à la page. La plus grande importance à la voix et à la lecture publique. Un poème, c'est bien sûr de la signification, mais c'est tout autant du rythme, de l'ascension, de la ponctuation.
Vous connaissez peut-être la phrase de Paul Valéry qui définit le poème. Il dit « Le poème, cette hésitation prolongée entre son et sens. » Alors je dirais que la traduction de poésie, finalement, n'est peut-être que le mouvement de cette hésitation. Parce qu'il faudrait, idéalement, traduire à la fois l'ensemble des paramètres d'un poème. Mais on ne peut pas traduire à la fois l'ensemble des paramètres d'un poème. C'est là l'impossible traduction. L'impossible traduction, c'est l'impossibilité d'être fidèle à l'ensemble des paramètres. Donc on peut dire qu'une traduction de poésie n'est alors rien, finalement, qu'une suite de décisions ponctuelles. Une suite de décisions ponctuelles sur fond de cette hésitation prolongée entre son et sens. Alors pourquoi cette hésitation ? Précisément parce qu'il n'y a pas d'évidence du primat de la signification. Pour revenir à la question de la fidélité, fidélité à quoi ? Pour poser la question, légitimement, si, pas forcément, fidélité au sens. Parce que le traducteur, trop souvent, semble ne pas en passer par l'hésitation et trancher trop systématiquement pour le sens. Alors mon propos n'est pas de dire en symétrie qu'il faut trancher pour le son. Il serait plutôt de dire que la tâche du traducteur, alors là je reprends le titre d'un fameux texte de Walter Benjamin sur la traduction, la tâche du traducteur pourrait peut-être se formuler, dans un premier temps, selon l'impératif suivant, ne pas céder sur l'hésitation. La tâche serait de se poser, en chaque point, la question. Mais alors se pose une autre question. Si une traduction n'est rien qu'une suite de décisions ponctuelles, qu'est-ce qui peut guider ou orienter la décision ? Y a-t-il quelque chose comme un principe général qui, bien sûr, ne permettrait pas de trancher en situation quelques points que ce soit, mais qui permettrait d'avoir une sorte de cap, de direction d'intervention ? Et ici se repose la question, qui insiste, fidélité à quoi ? Eh bien, je dirais, et cela pourrait être le deuxième point de cette tâche du traducteur, fidélité à la singularité. Et même, cela peut se moduler autrement, fidélité à l'étrangeté. Et ici, on en vient à la question de l'idiome. Parce qu'il s'agit bien plus, lorsqu'on traduit de la poésie, de traduire un auteur que de traduire une langue. On pourrait dire de la poésie qu'elle est singularisation et torsion de la langue. La poésie est invention d'un idiome. Et là, je citerai à nouveau Paul Valéry. Le poète se consacre et se consume à définir et à construire un langage dans le langage. Alors, c'est plus ou moins vrai selon les poètes. La distance à la langue ordinaire est plus ou moins grande. Mais s'attaquer à la traduction d'Hopkins ou de Sanguinetti, par exemple, c'est vraiment se confronter à ce que je nommerais des blocs de singularité. Corollaire, Eduardo Sanguinetti, par exemple, n'est pas tant traduit de l'italien que traduit de l'italien de Sanguinetti. Bon, je parle de bloc de singularité au pluriel. L'expression peut paraître une sorte d'oxymore. Elle désigne quand même le réel d'une expérience de lecteur et de traducteur plus encore. L'expérience d'une confrontation à la fois à une langue immédiatement une, unique et distinguable, mais dont l'unicité est faite d'une somme d'écart avec la langue ordinaire et d'insistance, de répétition de ces écarts. Écarts qui ne relèvent pas d'un caprice ou d'une fantaisie, mais sont les marqueurs mêmes de l'invention langagière du poète. Alors on peut peut-être en venir à la méthode et se poser une autre question qui serait comment traduire ? Comment traduire de la poésie ? Bien, je dirais que la traduction de poésie commence par le regard, commence par l'examen visuel du poème. Puis vient la lecture et la relecture. Traduire, c'est d'abord écouter et regarder. C'est lire et relire. Parce qu'un poème est fait pour être relu. Il est écrit pour ça. C'est peut-être sans doute une grande distinction entre poésie et roman, peut-être. Le roman a un commencement, a une intrigue, une histoire,
et il a un achèvement. Le poème est une sorte de forme de densité à laquelle il faut revenir, qu'il faut reprendre, donc il faut s'imprégner. Donc en deçà même de la question de la traduction, il faut lire et relire à voix haute le poème original, s'en imprégner, l'incorporer, s'imprégner de son mouvement, intégrer son inscription spatiale, se mettre à l'écoute de son rythme, se faire attentif à sa ponctuation. Donc pour commencer, il est important de regarder les poèmes. Dans l'édition française, le corollaire, par exemple, le format habituel des éditions, c'est celui-ci, c'est un 15-20. Et là, on a fait un format carré. Et on a fait un format carré spécifiquement pour l'édition de ce livre, parce que les poèmes de Sanguinetti, non seulement sont des longs poèmes, mais sont des poèmes composés de très longs vers. Et dans la plupart des éditions italiennes, les éditeurs ont édité ça dans leur format ordinaire, et du coup tous les vers sont coupés. On se retrouve avec des décrochements, et la forme du poème n'est pas du tout respectée, alors que la forme d'un poème est une donnée essentielle du poème. Donc là, on peut vraiment voir les poèmes de Sanguinetti tels qu'ils ont été composés. Les vers ne sont pas coupés, ils sont inscrits dans un format à leur mesure. Il s'agit en plus de poèmes qui se développent dans la page avec des décrochements, des incises, des interruptions, des reprises, des rebonds, des retours, des précisions, des prolongations. Tout ça constitue le poème, et tout ça doit bien sûr être pris en compte au moment de la traduction. Le poème donne à voir le mouvement de répétition et de variation des sons, et dans le même temps, le mouvement de dépliement de la pensée. Dans le cas Sanguinetti, du point de vue de la ponctuation, beaucoup de parenthèses et de deux points, parce que tous ces poèmes se concluent par un deux points. Donc tous ces paramètres voilà, doivent être travaillés et, je dirais, presque reportés dans la traduction française. Un autre point que je voudrais indiquer concernant la méthode de traduction des poèmes, c'est que c'est un travail par couche. Au début, c'est un travail lacunaire. Il y a des morceaux qui résistent, des difficultés, il y a des disparités, un manque d'homogénéité. Donc c'est vraiment un long travail de reprise. Et il est important, à un certain moment, de laisser reposer la traduction et d'y revenir avec un œil neuf, d'affiner peu à peu. Un autre paramètre important, il me semble, quand on a l'impression que la chose est à peu près en place, c'est de faire lire sa traduction. Il y a des traducteurs qui ont eu des retours parfois très violents, et justement violents, parce qu'ils ont laissé passer des choses, de vraies erreurs. Et c'est pas dramatique de faire des erreurs, mais il faut être capable de les repérer, et pour ça, parfois il faut se faire aider par quelqu'un qui parle mieux la langue originale, ou faire lire à des amis poètes aussi, savoir ce qu'ils pensent du rythme, de la scansion. Moi, je trouve que c'est très important. Le traducteur doit aussi être ambitieux, puisqu'il se confronte à quelque chose de difficile. Il doit aussi être modeste et soumettre sa traduction à d'autres avant de la publier. Voilà. Alors, quand on parle d'édition de traduction, donc édition de poésie, il y a une autre question qui se pose aussi, c'est la question du bilingue. Dans le cas de la poésie, il y a bien sûr ce travail sur les sons, donner au lecteur la possibilité de lire la langue originale est bien sûr quelque chose d'important. Alors c'est pas toujours possible, parce que dans le cas d'un gros livre, ça veut dire doubler la pagination du livre, donc doubler, enfin pas forcément doubler, mais augmenter trop fortement le prix de vente du livre. Mais quand même, quand c'est possible, c'est intéressant d'avoir le texte original en plus de la traduction. Mais la manière dont ça se fait habituellement, moi, me pose problème. Parce que très souvent, les éditions bilingues, presque toujours les éditions universitaires, on a la traduction du poème en page de gauche, donc ce qu'on appelle la fausse page en édition, la traduction en belle page, ou l'inverse, en page de droite. Donc on a comme ça une espèce de présentation au miroir entre le poème original et sa traduction. Et le résultat, c'est quoi, finalement? C'est que le lecteur, bien souvent, moi le premier, commence à lire un peu la traduction, et puis s'arrête pour comparer avec l'original. Fait retour, comme ça. Et on est dans une espèce d'entre-deux, où le lecteur en vient à perdre le fil de sa lecture pour commencer un peu à faire le traducteur.
Alors, je trouve que c'est nuisible, finalement. C'est nuisible aux deux lectures. Si on veut vraiment lire le texte original, on s'y plonge, on prend le temps de le lire dans son intégralité. Et si on veut lire la traduction, ben on le lit comme une traduction, enfin, comme un texte en langue française à part entière. On s'y confronte. Et puis, éventuellement, dans un deuxième temps, on peut se poser des questions. On peut dire, tiens, tel mot, comment est-ce qu'il l'a traduit? Au contraire, on est surpris par une formule en français. On va voir à quoi ça correspond dans la langue originale. Et je pense qu'on peut juger plus fortement et plus subtilement d'une traduction quand on fait cette opération de dissociation. Donc l'idée, ça a été, dans ce livre, par exemple, dans Corollaire, la première partie du livre, c'est les 53 poèmes en langue française, et la deuxième partie du livre, c'est les 53 poèmes en langue italienne. Voilà, comme ça, il y a les deux éléments, il y a le dossier, je dirais, et la proposition française, et le lecteur est libre de ne lire que l'italien, de lire la traduction, ou d'aller chercher, d'être dans un jeu de va-et-vient, mais qui au moins respecte l'unité du poème. Voilà, je vais peut-être parler d'un autre cas concret, qui serait donc la poésie de Gerard Manley Hopkins. Donc, je vous disais qu'une traduction commençait il y a 15 ans. Pardon. Là, c'est une traduction d'un genre assez différent des traductions que j'ai pu faire de l'italien. Puisque dans le cas de l'italien, il s'agissait toujours de textes qui n'avaient été jamais traduits en langue française. Curieusement, par exemple, quand j'ai vu le film de Pasolini, l'Arabia, j'ai voulu lire la traduction, et j'ai constaté que ça n'existait pas. Et j'ai été vraiment très surpris, parce que c'est un texte majeur de Pasolini. Je me suis dit aussitôt, bah, ça n'existe pas en langue française, il faut y aller, il faut le traduire. Et avec Patricia, on s'y est mis aussitôt, dans 3 mois à peu près, on a mis ça en place, et on l'a édité dans la foulée, on est très heureux d'avoir fait exister ça, mais c'était une surprise que ça n'existe pas encore en langue française. Dans le cas d'Hopkins, c'est très différent, puisque Hopkins est vraiment un classique de la poésie anglaise, c'est un auteur du 19e. Il a eu une réception dans son propre pays déjà assez tardive, puisque il s'était converti au catholicisme, il est devenu prêtre jésuite. Et il a décidé que sa vocation était incompatible avec sa pratique de la poésie. Donc il a arrêté d'écrire pendant 7 ou 8 ans. Et un jour, suite à un naufrage, il s'est entretenu avec son supérieur qui lui a donné l'autorisation d'écrire sur ce naufrage. Et ça a donné un poème stupéfiant qui s'appelle « Le naufrage de Hochelande », un très long poème composé de 35 strophes. Et c'est comme ça qu'il a repris, non seulement qu'il a repris l'écriture de poésie, mais même qu'il a inventé un rythme. Et mais donc, de son vivant, sa poésie n'était pas lue, sa poésie n'était pas éditée. Il envoyait ses poèmes à un unique destinataire, un ami qui n'y comprenait rien. Il disait à cet ami, je t'en prie, lis mes poèmes, tu es mon seul interlocuteur, je vais te convaincre que c'est important. Et donc après la mort d'Hopkins, cet interlocuteur, heureusement, a gardé les poèmes, et 15-20 ans après sa mort, a fait la première édition des poèmes d'Hopkins. Et il s'est très vite imposé comme un poète majeur, comme l'un des poètes les plus importants de la tradition anglaise. Bon, donc là, il s'agit d'un cas très différent, puisqu'il y a eu déjà des traductions françaises. Il y a eu une première traduction dans les années 60, une deuxième dans les années 70. Il y a eu la traduction de Pierre Léris, qui est un traducteur assez connu. Voilà. Alors, pourquoi retraduire Hopkins? Eh bien, précisément à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, qui est que, selon moi, en poésie, la fidélité doit être fidélité à la singularité et à l'étrangeté. C'est-à-dire que dans le cas d'Hopkins, il y a eu un peu je dirais presque qu'il a été traduit pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que le fait qu'il soit un prêtre jésuite, il a été lu par les jésuites, il a été traduit par des jésuites, et il a été traduit parce que c'était un poète spiritualiste. Mais les premiers traducteurs sont complètement passés à côté des caractéristiques langagières novatrices de la poésie de Hopkins. Donc on s'est retrouvé face à des poésies, c'est assez hallucinant, qui sont finalement des paraphrases complètement aplaties. Là où Hopkins, par exemple, a un vers de 10 syllabes, on peut trouver des traductions où le vers est traduit en 18 ou 20 syllabes. Donc toute l'énergie du poème est perdue, on est plus face à une traduction paraphrase ou explication de texte. On est justement uniquement dans le vouloir de restitution d'un supposé vouloir dire. Bon. Alors que la poésie d'Hopkins est une poésie d'une densité extrême, massivement monosyllabique,
Donc on va dire finalement qu'Hopkins, c'est la langue d'Hopkins, est une sorte d'anglais au carré. C'est-à-dire que l'anglais est une langue dont une caractéristique est déjà liée à sa densité, à sa forte présence monosyllabique, et ces points sont encore renforcés dans la poésie de Hopkins. Bon, Hopkins est aussi donc l'inventeur d'un rythme qu'il a nommé le sprung rhythm. Le sprung rhythm, ce qui est très novateur dans ce rythme, c'est que l'unité de compte du vers n'est plus la syllabe, mais c'est l'accent. C'est-à-dire que les vers peuvent avoir une espèce de fluibilité ou de variabilité du compte syllabique, mais ont tous le même nombre d'accents. Donc parfois on a des poèmes extrêmement brefs, avec plusieurs accents qui s'enchaînent, et d'autres plus longs, où l'accent est plus dispersé. Voilà. Donc moi je me suis dit, il faut retourner, déjà je dois ça, je dois le fait de me lancer dans la traduction d'Hopkins, je dois à Jacques Roubaud. La première fois que j'ai rencontré Jacques Roubaud, je lui parle d'Hopkins, et lui aussi, il le tenait vraiment pour l'un des plus grands poètes. Il a eu un effet libérateur, il m'a dit, oh là là, malheureusement, les traductions françaises d'Hopkins sont vraiment épouvantables. Et le fait qu'il me dise ça, je me suis dit, bon, bah, allons-y, essayons. Et du coup, je me suis dit, traduire Hopkins, ça veut dire essayer avant tout de traduire son rythme, de respecter sa densité, de traduire dans une langue extrêmement resserrée, d'être au plus près du décompte, de l'unité de compte du vers, du poème. Ce qui implique éviter l'enjolivement, ne pas pratiquer ce qu'on appelle la belle étrangère, éviter paraphrase, explication, mais se tenir vraiment au plus près de cette force énergétique qui est finalement ce qui donne l'effet du poème. Vous en lire un si vous voulez pour donner un peu pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Un poème qui s'intitule La mer et l'alouette. En chaque oreille, de son sans âge, sans terme se fixe. De droite, marée qui se rue sur la rive, flot montant ou reflux. Basse rumeur ou rugir, courant ici tandis que lune s'use avance. De gauche, hors terre, j'entends l'ascension de l'alouette. Sa note vive fraîche, roulée, déroulée, en vrille vive, follement se dévide, déverse, sa musique en averse jusqu'à pleine dépense. Que tous deux humilient cette veine frêle vile. Quel timbre clair en ce crasse trouble tant si pur. Nous, de vie gloire et couronne, avons perdu cette joie, ce charme du monde initial. Notre fer, notre effet se défait, se dissout en ultime poussière, hâtive rendue à sa bourbe première. Voilà, alors je pense que rien qu'en entendant le poème, enfin j'espère, on peut se rendre compte de quelques-unes des spécificités de la poésie de Hopkins, le travail des allitérations par exemple, de la répétition des sons. Donc, au début, chaque, alors c'est bien sûr, c'est pas forcément les mêmes, quand je dis qu'on peut pas traduire tous les paramètres d'un poème, c'est pas forcément les mêmes lettres qui vont être répétées dans le poème français par rapport au poème anglais. On recherche les équivalences de répétition, d'insistance, mais ça peut pas toujours se faire exactement au même endroit. Voilà, c'est aussi un poète qui a une espèce de langue conglomérée, donc qui souvent associe des mots avec des traits d'union. Donc vous voyez cette note vive fraîche, par exemple, avec traits d'union, que tous deux humilient cette veine frêle ville, crasse trouble temps. Voilà. Et ces données-là n'avaient pas intéressé les premiers traducteurs d'Hopkins. Ils avaient préféré juste s'en tenir à la signification. Voilà. Pour conclure, on pourrait se poser la question comment achever la traduction d'un poème ? Comment se dire, ça y est, là, j'y suis ? Parce que bien sûr, on peut travailler indéfiniment. Alors, a été évoquée la question des délais dans le cadre du
roman policier où la chose doit être faite en 2 mois, ou bon, dans le cadre de la traduction d'un poème. Je suis l'éditeur de mes propres traductions, donc je prends le temps qui m'importe avant d'annoncer la chose au diffuseur. Donc ça peut durer très longtemps. Il y a bien sûr un moment où on va arrêter parce qu'on souhaite passer à autre chose. Mais je dirais que le test, c'est la lecture à voix haute. On est parti de là, prendre connaissance d'un poème, c'est le regarder, c'est le lire à voix haute, c'est s'en imprégner. Et finalement, après toute cette série de couches, de reprises, d'affinements, le test, voilà, c'est ça. C'est on dit poème et on le relise en français, si possible face à un public. Et la lecture à voix haute doit attester de la justesse rythmique du poème. Et si ça coince, si ça ne marche pas à l'oral, c'est signe que ça ne va pas, qu'il faut y revenir. On a donc une sorte de boucle. Tout part de la lecture du poème original, et le point final, c'est lorsque le poème est lu à voix haute en français. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je fais volontairement quelque chose d'un peu plus court en me disant qu'il y aurait peut-être des questions. Du coup, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de votre processus de traduction à deux? Qu'est-ce que ça change dans le travail, etc.? Comment vous procédez? Qu'est-ce que ça apporte? Oui. Alors, il y a déjà ce constat tout simple que... Je ne sais pas si j'aurais osé commencer à traduire de l'italien seul il y a quelques années, là, quand j'ai commencé. Le fait que Patricia soit italienne et une maîtrise aussi du champ culturel, comme ça a été évoqué, des références à la tradition littéraire, c'était un apport vraiment essentiel. Et puis, j'ai évoqué hier soir au FRAC mon amour de l'Italie, et l'amour de la langue italienne est venu peu à peu, alors vraiment lié au voyage, au fait de la parler en Italie, c'était en venir à l'italien, c'était un pas supplémentaire qui m'importait dans la connaissance et dans l'amour de l'Italie. Alors après, la méthode, on n'avait pas d'idée a priori, ce qui s'est imposé en tout cas, on n'a pas fait du tout, on n'a jamais travaillé à distance. On a décidé qu'il fallait la présence physique, être ensemble à une table, précisément lire le poème à voix haute, enfin le poème, la suite des poèmes, poèmes par poème, comme ça, à voix haute. Enfin, lire vraiment d'abord chacun à plusieurs reprises, hein, s'imprégner de la chose, mais lire à voix haute le poème. Et puis, ensuite, c'est une espèce de jeu de va-et-vient. C'est-à-dire que, puisque je n'ai pas la même maîtrise qu'elle de l'italien, pour moi, c'est intéressant de faire la première proposition. Voilà, intuitivement, j'ai lu la chose. J'ai l'impression que ça dit ça, je repère des sonorités, je cherche des équivalents en français. Et puis, donc à voix haute, comme ça, enfin vraiment de façon assez intuitive. Et puis, j'inscris ça ou j'inscris pas ça là où je fais fausse route. Si je fais un contresens, elle me dit non, c'est pas possible comme ça, etc. Elle, à son tour, propose quelques modifications dans ce que je viens de faire. On essaie de se confronter comme ça, vers après vers. Tout en laissant parfois des difficultés, en disant ça, il faudra essayer de creuser la question, tel aspect par rapport à tel autre poète, ou vraiment dans le voir dans le dictionnaire, quelle est l'étymologie, enfin, il y a des questions comme ça très précises qu'on laisse un peu en suspens. Et puis on y revient ensemble. Et ensuite, moi, quand je relis un premier état de la traduction commune, j'essaie de rendre la chose plus percutante en français, précisément dans la volonté ensuite d'oralisation du poème. Je me dis voilà, en français, ça a plus de jus. Si on dit ça comme ça, c'est plus direct si on dit ça plutôt que ça. Et elle revient derrière, mais toujours tout en parle, en me disant, ben là quand même tu pousses le bouchon un peu parce qu'il n'y a pas vraiment tel mot, on ne peut quand même pas le tordre à ce point. Donc elle d'une certaine façon, est un peu le gage de la fidélité à l'italien. Et moi, je suis dans la position de celui qui veut vraiment faire un texte français qui déchire. Voilà, donc nous deux, on essaie d'avoir une certaine... Et ça vous arrive des fois de ne pas être du tout d'accord sur... Ah, on a souvent des désaccords profonds et des discussions extrêmement longues sur le choix d'un mot.
Ah oui, c'est parfois très conflictuel, joyeusement conflictuel. Bien sûr, c'est extrêmement difficile. En effet, les langues n'ont pas du tout la même caractéristique. J'ai bien dit justement que l'un des grands intérêts de la traduction de poésie, c'est son extrême difficulté. Donc finalement, on cherche dans le français, à partir de caractéristiques langagières différentes, à faire des forçages. Voilà. Je pense qu'il faut pas... il faut faire violence à la langue française, parfois, pour restituer l'effet du poème. C'est pour moi, le poème d'Hopkins, j'en parlerai comme d'une rafale, d'une claque, ou quelque chose comme ça, d'une espèce de violence langagière qui emporte. Donc l'objectif, c'est rechercher des moyens pour transmettre ça en français. Quitte à perdre des subtilités, évidemment, quand c'est des vers de 10 syllabes et que j'essaie d'être plus proche du compte syllabique, y a un côté un peu à la hache parfois, il y a un manque de fluidité. Enfin, on peut faire des reproches en disant, mais quand même, c'est un peu rude. C'est un peu... Enfin, précisément, d'ailleurs, son sprung rhythm, ça se traduit par rythme abrupt. Enfin, le premier traducteur avait posé rythme bondissant. Mais on pourrait dire, rythme abrupt. Donc voilà, l'idée, c'est de, malgré la difficulté, de trouver quelque chose je peux dire que ça, qui restitue un peu le même effet. C'était à propos de Saint-Denis, je crois que vous parliez d'un idiome taillé dans la langue et aussi le fait qu'il employait beaucoup de mots étrangers dans ses poèmes. Donc je me demandais comment vous aviez travaillé ça. Est-ce que le particulier de départ c'était de conserver ces mots étrangers ou est-ce que c'était au cas par cas? Comment vous l'aviez travaillé? Oui, en fait, parce que Saint-Denis est un poète qui voyageait beaucoup. Il était invité aux quatre coins de la planète pour faire des conférences, des lectures. Et ses poèmes, les poèmes de ce livre, ont la particularité d'être des poèmes cartes postales. Des poèmes qu'il envoyait concrètement à son épouse qui vivait à Gênes. Donc du coup, il lui donne des nouvelles en poèmes, là où il se trouve, il lui raconte un peu. C'est une poésie qui a une dimension narrative. Et alors en effet, quand il est en Espagne, quand il est en Allemagne, il utilise beaucoup de termes espagnols ou allemands liés à ce qu'il rencontre, à ce qu'il lit, aux gens avec qui il parle. Les poèmes sont truffés comme ça de morceaux de langue étrangère. Alors traduire ça, déjà ça veut dire... quand même comprendre ce que c'est déjà. Ce que c'est. Moi, je ne parle pas ni l'espagnol ni l'allemand, donc il y a quand même un travail de recherche pour savoir de quoi il est question. Et c'est parfois des choses compliquées, enfin extrêmement précises. Ça peut être le nom d'un vin, ça peut être le nom d'une peinture, le titre d'un tableau. Donc là, on a fait beaucoup de recherches sur Internet, voire sur Google Images pour retrouver l'image du tableau, on a le titre. Et du coup, on comprend que le poème est la description d'un tableau. Si on n'a pas accès au tableau lui-même, c'est assez obscur. Voilà. Donc, éclairer au maximum la chose, se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il est, parce qu'il part toujours de circonstances extrêmement concrètes. Il rencontre des gens à tel endroit, tel jour, avec tel climat. Donc, voilà, élucider toutes les coordonnées du poème, je dirais, y compris donc, les mots en langue étrangère. Mais ensuite, dans le travail de traduction, les mots espagnols restent en espagnol, les mots allemands restent en allemand. Là, il n'est pas question de traduire quoi que ce soit. Puisque le lecteur italien est confronté à des mots en espagnol, en allemand. Et dans le cas de Sanguinetti, dans ses premiers livres, il y avait même beaucoup de latin. C'est étonnant, il a fait un travail comme ça de revivification du latin. Il est considéré comme l'un des poètes qui appartenait au dernier mouvement d'avant-garde littéraire en Italie, c'est les Novissimi. Il y avait beaucoup de néologisme, vraiment un travail d'invention en langue, mais qui allait de pair avec une réappropriation du latin. Bon, les Italiens ayant un rapport plus concret, le latin est beaucoup plus présent en Italie qu'il n'est en France aujourd'hui, mais malgré tout, quand on traduit un poème de Saint-Denis avec du latin, que effectivement un des
il y a un intérêt à ce qu'il y ait plusieurs voix, plusieurs lectures, plusieurs propositions. Alors je me posais la question tout bêtement, est-ce que le droit d'auteur à ce moment-là et le droit des traductions existe-t-il dans le milieu donc, de la traduction de poètes? Et si c'est oui, est-ce que ce n'est pas un frein justement à la créativité et... Alors tout à fait, ça, oui ça existe, oui c'est un frein. Heureusement, très souvent la vente des droits à un éditeur, puisque c'est l'éditeur qui décide du traducteur, donc l'éditeur, si l'éditeur a l'exclusivité sur un auteur, généralement il a son traducteur, et c'est un même traducteur qui va traduire toute l'œuvre. Et ça a produit des abus, et en effet des difficultés même dans l'approche du poète, puisque d'autres traducteurs s'intéressent à ce même poète, ont d'autres prises de position ou parti pris, et ne peuvent pas les rendre publics. Alors heureusement, souvent la vente des droits est liée à un temps limité. C'est-à-dire l'éditeur fait l'acquisition des droits sur tel titre pour 10 ans ou 15 ans. Mais quand même assez vite, enfin assez vite, 15 ans on peut se dire que c'est pas assez vite, mais à un moment ou à un autre, en général, il y a quand même possibilité qu'une autre voix puisse voir le jour. C'est vrai en théorie, maintenant la poésie ça se vend tellement peu, quand tel livre a été édité et qu'il a trouvé 300 lecteurs, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs, même 15 ans après, pour se dire on va rééditer la même chose parce que la traduction est vachement mieux. Donc voilà. Et puis il y a aussi beaucoup de rivalités dans le monde de la traduction de poésie. Certains auteurs, certains traducteurs, ayant vraiment le sentiment que tel poète et leur auteur veulent avoir une espèce de mainmise sur la traduction de tel poète. C'est assez triste. Moi je trouve que c'est assez navrant même. Et par exemple, moi j'ai eu un immense plaisir à traduire Sanguinetti. Je trouve que c'est un immense poète, malheureusement trop peu traduit en France. Et je ne peux pas consacrer non plus tout mon temps à y travailler. Du coup, là, j'ai été contacté récemment par un jeune poète qui nous a soumis des traductions de Sanguinetti, que je trouve pas mal du tout. Et l'idée, c'est en tant qu'éditeur, sans doute, d'éditer un autre recueil de Sanguinetti, mais qui ne sera pas traduit par nous, pour continuer voilà, à faire connaître son œuvre, même si ce n'est pas notre large. Mes choix de traduction ne seraient pas forcément partout été les mêmes, sans doute. Mais c'est une traduction qui semble bonne. Et donc, allons-y, quoi. Sanguinetti m'appartient. Écrivain de poésie, qu'est-ce que ça vous apporte de traduire la poésie? Ça me permet d'écrire en langue française ce que je n'aurais pas réussi à écrire en même. D'être confronté à des textes en langue française vraiment inédits, forts, et voilà, j'aurais pas eu les ressources, l'intention d'écrire précisément ça. Donc pour moi, c'est une espèce d'élargissement émotionnel, et l'accès à une beauté qui me serait restée étrangère. Oui, oui. Oui, oui. Je pense que ce que j'ai dit des caractéristiques de la poésie de Hopkins, même si c'est inatteignable, c'est sans doute quelque chose à quoi je vise dans ma propre écriture. La question de la densité, de la forme serrée, de l'intensité, de la compression, tout ça, c'est des choses à quoi je tends en langue française, avec pour le coup d'autres caractéristiques, et avec des thématiques complètement différentes de celles d'Hopkins. Mais oui, oui, c'est quelque chose qui modifie la partie de l'écriture. J'aimerais juste revenir sur la lecture à voix haute dont vous parliez tout à l'heure. Dans le cas de la poésie italienne, vous êtes à deux, donc j'imagine que vous concertez. Mais pour Hopkins, par exemple, vous travaillez seul, si je me pose sur ce projet. Comment vous faites pour vous dire, ah, mais c'est tel passage, ça sonne mal? Est-ce que vous le lisez à vous tout seul, ou est-ce que vous enregistrez, vous demandez conseils? Sur la manière de dire les poèmes à voix haute en langue française, non, je tranche moi-même. Oui. Je m'imprègne vraiment. Je dirais presque que je parle pas anglais, moi je parle le Hopkins. Enfin, c'est, oui. Je lis des dizaines de fois le poème en langue originale, je vois où sont les accents, voilà, c'est un travail de rap. Hein. C'est, voilà. Et puis en français ensuite, même chose, comment ça vient, quel est le flow presque. Vous parlez là de la rythmique et tout, et quelle est la place de la connaissance de la culture et de, voilà, du pays Ah ben c'est très important, bien sûr, hein, dans le cas de Hopkins. J'ai lu la seule thèse qui a été faite sur lui en France, j'ai lu sa biographie en anglais.
très important de... Tout compte. Tout compte. Dans un poème, évidemment, il peut y avoir des allusions à des événements biographiques. Et au-delà de la biographie, du contexte historique, est-ce que vous pensez que c'est important pour... Oui, c'est important. C'est important. Alors après, je n'ai pas été jusqu'à étudier de très près quel était le mouvement jésuite en Angleterre au 19e. Ou... Ça compte aussi, puisque c'était son milieu. Bon, il y a des choses qui m'intéressent moins que d'autres. Mais plus tout, plus c'est, il faut avoir une vision encyclopédique. Hein. Plus on sait de choses sur la matière sur laquelle on travaille, et mieux c'est. Pensez-vous qu'il puisse y avoir des impossibles de la traduction ? Enfin, je pense à mon domaine, qui sont les langues anciennes, et surtout à la poésie épique et tragique grecque ancienne, puisque, pour parler de l'épopée, par exemple, on est dans un paradoxe bizarre qui est que l'épopée homérique, c'est des vers qui sont, en termes métriques, très longs, mais avec une langue qui est le grec, qui est une langue qui est pleine de raccourcis. Ce qui fait que dans ces vers extrêmement longs, on dit beaucoup de choses. Par exemple, avec un participe présent ou un participe passé, un grec peut tout dire, de la cause jusqu'à la temporalité, jusqu'à... Et ce qui fait que finalement, vu qu'on essaie de rendre un minimum de sens, mis à part quelques traducteurs absolument exceptionnels comme Jacoté avec l'Odyssée, on perd totalement le rythme. Et la plupart, le gros de la poésie grecque, et ça vaut aussi en grande partie pour la poésie latine, se perd dans un français de traducteur, dans un français de version grecque ou latine, qui font que finalement, personne ne lit les traductions d'autant que grec. Il y a quelques lettres classiques comme moi, poussiéreux, qui les lisent en version originale, et plus personne ne les lit. Ce qui fait que je me demande si il n'y a pas des fois des impossibles de la traduction, parce que le grec et le français sont vraiment des langues qui sont... Enfin, la différence est abyssale. Donc, l'impossible de la traduction, moi j'ai proposé de dire que c'était de traduire l'ensemble des paramètres. Donc, comme vous l'avez indiqué, beaucoup de traducteurs optent pour le sens et du coup perdent le rythme, mais d'autres font le choix quand même d'une attention au rythme. On pensait pour le grec à Jean Bollard, par exemple, à des gens de son école. Donc il n'y a pas d'impossible la traduction au sens de on dirait tel texte, vraiment, c'est impossible de le traduire. Non, pour chaque texte, il y a des tentatives, il y a des gens qui s'y cognent, il y a des propositions qui sont faites, qui sont plus ou moins fortes, mais il y a toujours moyen de proposer quelque chose, et souvent il y a des tentatives intéressantes qui viennent au bout de tant d'années. Donc voilà, il n'y a pas d'impossible de la traduction a priori. Mais par exemple, dans le 400 Guinetti, il y a des poèmes qu'il appelle des poèmes rébus. Ça fonctionne vraiment comme de vrais rébus, c'est-à-dire des suites de syllabes dispersées dans le poème qui, mises bout à bout, éclairent une énigme. Très compliqué. Alors déjà, les lecteurs italiens ne les voient pas, ces rébus. Enfin, les lecteurs. Il y a un seul lecteur, un ami à lui, un musicien, qui a trouvé la solution des rébus. Il les a explicités. Voilà, en effet, c'est des rébus qui ont une solution. Alors traduire ça, on s'est posé la question, avec Patricia, bien sûr. Donc grâce à ce monsieur, on a eu la solution des rébus. Mais on s'est dit, là, si on veut vraiment restituer en langue française le rébus, on ne traduit que ça. Voilà. D'ailleurs, on modifie tout le reste pour rendre le rébus. Donc on a préféré, les poèmes de Sanguinetti, il y a plein de paramètres qui sont quand même plus centraux que la question du rébus. On a préféré dire, tant pis, en français, les rébus n'auront pas de solution. Ils ne seront pas restitués. Voilà, donc c'est une impossibilité locale par choix. Ce n'est pas une impossibilité générale. La lecture est vraiment centrale dans vos pratiques, et notamment dans votre pratique de l'écriture. Vous parliez hier d'un jeu qui surgit à travers la voix des autres, dans votre texte, donc par ce biais de la lecture. Je voulais savoir s'il n'y avait pas un peu de ça aussi avec la traduction, et notamment dans le choix même des auteurs que vous traduisez. Ah oui, oui. Déjà, tout simplement... J'aurais follement aimé écrire ce qu'a écrit Sanguinetti ou ce qu'a écrit Hawking. Voilà, donc il y a une espèce de complexe sans doute au départ, de confrontation.
translation est quelque chose qu'on trouve inatteignable. Donc traduire ça, d'une certaine façon, c'est se l'approprier. Ça devient un petit peu moi, puisque je le recrée en française. Donc voilà, il y a un travail, je crois que j'ai parlé d'incorporation tout à l'heure. Je suis un petit peu fait de morceaux d'Hopkins que j'ai cherché à redonner en français. Donc, c'est-à-dire que l'autobiographie, elle est en sens inverse aussi. C'est pas seulement l'autobiographie, c'est pas seulement raconter sa vie. C'est comment les mots nous modifient nous-mêmes. C'est réflexif. Il y a d'autres questions ? Peut-être que là, sinon, du coup, on va faire une petite pause avant le bureau. Voilà. Merci pour votre attention. When you need someone to pick up.